Depuis quelques années, il ne s'écoule pas un mois sans l'annonce d'un nouveau projet futuriste signé Google. Ce bâtiment, interdit aux caméras, est le véritable laboratoire à idées de Google. On l'appelle Google X. C'est un service très stratégique, piloté en main propre par Sergey Brin, l'un des deux fondateurs. On y travaille sur les projets les plus fous de l'entreprise. Des lentilles de contact pour diabétiques, capables de mesurer le taux de glycémie dans l'organisme. L'entreprise, qui travaille aussi sur des pilules censées détecter le cancer, serait même en train de plancher sur l'immortalité. Au cœur de cette ambition démesurée, le très discret Larry Page, qui refuse de s'imposer la moindre limite. Alors Burning Man, grosso modo, ça veut dire l'homme qui brûle. Et c'est un rassemblement dans le désert du Nevada qui a lieu chaque année depuis plus de 25 ans. En fait, pendant une semaine, des dizaines de milliers de personnes se réunissent pour créer, s'amuser, faire la fête et aussi essayer tout ce qu'on ne peut pas faire ailleurs. Bref, à Burning Man, on peut dire que tout est possible. Pour moi, et c'est différent pour tout le monde, le principal, c'est l'autosuffisance absolue. Ici, il n'y a pas de religion. Ah bon? Pour moi, c'est Dieu à l'état pur. Sans aucune interprétation. Exactement. Il se trouve qu'ici, les gens mettent leurs interdits de côté. Ils acceptent leurs désirs et ils cherchent à les assouvir. Et ici, à Burning Man, ces interdits n'existent pas? Non, disons que si tu veux expérimenter quelque chose, ici, tu trouveras toujours quelqu'un pour le faire avec toi. En fait, tu es un homme. Autrefois, ouais. J'ai changé quand j'avais 7 ans. 7 ans? J'ai plus de testicules. J'ai supplié ma mère à 7 ans. S'il te plaît, j'en veux plus. J'ai été castrée à 13 ans. Tu voulais être une femme? Toujours. C'est bien d'être une poulette avec une quéquette. Ça me convient. Mon zizi me plaît. Alors tu le gardes? Possible, mais je pense plutôt le couper. Mais à Burning Man, il me plaît.